Je m'appelle Amélie Meffre et je suis directrice marketing de la société IDOVA. Innovation et accessibilité sensorielle. Donc vous êtes sourd, vous voulez vous rendre dans un musée justement pour visiter les diverses œuvres, mais malheureusement toutes les visites se font grâce à un audio guide. Vous ne pouvez donc pas avoir accès à l'information. Grâce à AlterCode, vous flashez le code et vous avez donc la traduction des informations des diverses œuvres, soit si vous êtes sourd-signant en langue des signes française à travers une vidéo, soit par un texte écrit. L'accessibilité au handicap sensoriel et cognitif reste à faire, et même bien plus à inventer. C'est ce que nous avons commencé à faire avec AlterCode, en utilisant une technologie innovante qui est celle des codes à deux dimensions, et que nous continuerons à faire avec d'autres produits. Donc mamie, là tu vois, on est au musée. Tu vois le petit carré noir et blanc qui est juste à côté du tableau? Tu le prends en photo avec ton téléphone ou alors avec la caméra de ton ordinateur. Il y a un écran qui apparaît sur ton téléphone et là, tu as le choix entre différents modes de traduction des informations à propos du tableau. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Bien évidemment, d'éventuels contacts qui pourraient devenir d'éventuels clients. Et je tiens à rappeler quand même que IDOVA est une société coopérative d'intérêt collectif. Et par ce statut, nous nous inscrivons dans l'économie sociale et solidaire. Étant une SIC, nous recherchons donc de potentiels souscripteurs qui pourraient devenir sociétaires de la structure IDOVA. Et en fait, tous les bénéfices sont alloués dans la recherche et le développement de solutions d'accessibilité à destination des personnes en situation de handicap sensoriel. Voilà.